Que le Seigneur soit loué. Kolo akumisama. Qu'il bénisse le bureau. Apambola bande kobasalaki na kati ebondelo. Qu'il bénisse notre président. Apambola mokambi. Le pasteur Jethro. Motei Jethro. Et qu'il bénisse la présence de tout et chacun de nous. Et apambola bozali sami ya mokona mokona kati na biso. De tout mon cœur, je dis shalom. Amen. Ésaïe chapitre 21. Ésaïe chapitre 21. On ne va pas perdre le temps. Ésaïe chapitre 21. Je lis quelques versets. Je commence la lecture à partir du 11e verset. Jusqu'au 12e, il est écrit. Oracle sur Diman. On m'écrit de séir. On m'écrit de séir. Sentinelle. Sinzili. Que dis-tu de la nuit? Olobini ni pona butu. Sentinelle, Sinzili, que dis-tu de la nuit? Olobini ni pona butu. La sentinelle répond, Sinzili ayanoli, le matin vient. Tongo ezali koya, et la nuit aussi. Pe elongo na ye butu. Si vous voulez interroger, soki boni botuna motuna, interroger, botuna, convertissez-vous, bobongo la mitema, et revenez. Pe bozonga. Cantique des Cantiques, chapitre 3. Nzembo ya banzembo mokapo ya misato. Cantique des Cantiques, chapitre 3. Nzembo ya banzembo mokapo ya misato. Je commence la lecture à partir du 6e. Tobandi na nzela motoba. Et jusqu'au 8e. Kino nzela ya mwambi. Cantique 3, 6, 8, il est écrit. Koma miboye. Qui est celle qui monte du désert? Yenani avaliko matana esobe. Comme des colonnes de fumée. Lokola likonzi amolinga. Au milieu de vapeurs de myrrhe et d'encens. Nakati ami pepe peba wolo peba pakamalas. Et de tous les aromates des marchands. Pe mbumanyo sur solo kitoko ya bateki. Voici la litière de Salomon. Tala et pandre ya Salomon. Et autour d'elle 60 vaillants hommes. Benzinga nzinga na yango bilombe tuku sambo. De plus vaillant d'Israël. Bilombe ya Israël. Verset 8, j'attire votre attention. Zela mwambi na beni ko keba na bino. Tous sont armés de l'épée. Bango nyoso balati mipanga. 1. Yambo. Ils sont armés de l'épée. Balati mipanga. 2. Mibale. Sont exercés au combat. Bango bami bongi si pona etumba. Chaque porte le petit sa hanche. Moko moko aremi mopanga loketo na ye. Envie des alarmes nocturnes. Prona piololo ya butu. Deuxième Corinthiens chapitre 11. Bakolito ya mibale mokapo ya zomi na moko. On ne peut pas lire seulement Salomon sans chercher notre frère Paul. Tokotaka kan Salomon te bomoto titane kwa biso Paulo. Deuxième Corinthiens chapitre 11 verset 2. Bakolito ya mibale mokapo ya zomi na moko zela kotanga mibale. Jusqu'au quatrième il est écrit. Kinomine ye koma biboye. Car je suis jaloux de vous, dit une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit, celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, celui que vous avez embrassé, vous le supportez bien. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Vous êtes heureux ce matin parce que le Seigneur vous a agréé. Nous croyons que l'amour de Dieu envers un peuple, c'est quand il dévoile ses pensées. Et nous donne sa parole. De tout mon cœur, je dis que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Oui, Iyo. La conférence d'aujourd'hui, Milulu ya lelo, est très spéciale pour nous. Ezali pena malamu pour Nabiso. Le bien-aimé Paul a dit à son temps, la nuit est avancée. Le moment est venu de se réveiller. Parce que le Seigneur est à la porte. Quand nous considérons la marche de l'Église aujourd'hui, la vie de l'Église aujourd'hui, nous devons réfléchir. Parce que partout, de troubles, Mubulu, de divisions, Kukabana, de jalousie, Zua, haine, Zua, dispute, Kuswana. Les gens veulent être grands que les autres. Et finalement, Suka, nous devons réveiller, avertir le peuple, que les serviteurs retournent dans la pensée initiale du ministère. Je veux vous rappeler que Ève est née non bébé, mais elle est née maman. C'est-à-dire, depuis que l'Église est née, le jour de la Pentecôte, elle n'était pas née bébé pour attendre le message de la sanctification, de la justification, de la révélation. Non, l'Église est née belle. Elle continue belle. Elle restera belle. Pendant une grande maman comme Sarah, elle était vieille. Elle est arrivée à l'Égypte. Sa beauté a frappé tout l'Égypte. C'est ça l'Église. L'Église doit garder sa beauté. Elle la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement. On lui mettre une balustrade. Pour dire que, quelle que soit la confusion, quel que soit le trouble, mais Dieu veille sur son œuvre. Tout le monde peut fléchir devant balle, mais Dieu gardera toujours un peuple. Et ce matin, je veux que vous soyez ce peuple que Dieu a gardé. Un peuple qui n'a pas suivi Dieu pour l'argent, ni pour les rampes. Avant que Dieu vienne, il y avait des riches, il y avait des mariés. Mais si Jésus était venu seulement pour nous donner l'argent, mais les gens qui étaient riches avant lui, Jésus est venu nous donner ce que le monde ne peut pas nous donner, c'est la vie éternelle. Et ce matin, je suis venu rappeler aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu, comment nous devons crier, comment nous devons garder cette église glorieuse jusqu'à la fin. Je vis un homme dans le texte, Jacob. Il a vu le visage de Laban. Il a attendu le propos de ses fils. Il a compris. C'est le temps de partir. Voilà une sentinelle qui voit, qui attend, qui comprend, et qui prépare l'église. Jacob était un pasteur comme toi. Léa, Rachel, les enfants étaient les troupeaux. Léa, Rachel, il parle un peu de Boël. Mais quand il a vu, il a attendu, il a préparé. Alléluia. Le Dieu est descendu pour dire, Jacob, c'est l'état de partie. Le propriétaire de l'œuvre a dit ceci, quand vous allez voir, attends, comprenez que l'état est proche. Mais qui peut voir, qui peut attendre, c'est la sentinelle. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes venus rappeler au ministre le rôle au peuple du Seigneur.
pourquoi Dieu nous a sauvés. Quelques minutes, c'est très important. Nous allons parler sur trois points différents parce que c'est la conférence. Ceux qui ont des syllabes, ne me tenez pas à rigueur. Je n'ai pas les syllabes ici. Mais je vais ramasser ça et là. Et vous allez vous retrouver dans les syllabes. Nous allons parler un sur le ministère de la parole. Pourquoi nous allons parler sur le ministère de la parole? Parce que l'incompréhension du ministère, ce qui moto a sauvé l'automoteur, a conduit aux déviations. Et continue comme moto a quitté l'Ibana et Zéla. Les gens n'ont pas compris le ministère, c'est quoi? C'était gratte. Et Zali, le corps à moi, le Koumou. Parce qu'aujourd'hui, on est évangéliste, pasteur, le lendemain, docteur. À la fin, on devient. On ne veut plus même être appelé apôtre, prophète, on devient. Ah, chien. On devient. On ne veut plus être appelé pasteur, il faut appeler bishop. Alors le ministère, c'est ça? Nous allons étudier. Après l'étude du ministère de la parole, nous allons étudier les alarmes nocturnes. C'est quoi? Les alarmes nocturnes signifient quoi? Le troisième point, nous allons étudier l'attitude des ministres face aux alarmes nocturnes. Et à la fin, je vais donner une petite exhortation et tout finira. Shalom. On commence. Vous y êtes? Vous allez voir là? On ne peut pas expliquer le ministère de la parole face aux alarmes nocturnes sans définir tout d'abord le ministère, c'est quoi? Le ministère de la parole, je commence là. C'est un service. Le ministère, ce n'est pas une chose, c'est le service. C'est un fardeau. Entendez ça bien. Le ministère de la parole, c'est la continuité de l'œuvre de Christ. Oui, parce que le vrai apôtre, il est au point de Thomas à Solo, c'est Jésus. De Yesu. Hébreux 3:1. Considérez le souverain, Tala, l'apôtre Jésus-Christ. Thomas, Yesu Christ, avant que nous devenions les apôtres, c'était lui l'apôtre. Le vrai prophète, c'est Jésus. Luc 24. Vous ne savez pas ce qui est arrivé au sujet de Jésus qui était prophète, puissant en œuvre en parole. Luc 24:19, il est le prophète. 3. Misato, Jésus-Christ le docteur. Jésus-Christ au Motei. Jean 3:2. Yohani Misato Mibale. Rabbi, nous savons. Mokonzi, Toyobi. Tu es un docteur venu d'ici. Osali Motei, Aoutipa Kolo. C'est-à-dire le vrai docteur, c'est Jésus. Et Nikoba Motei, Malam, Jésus-Christ. 4. Minei. Jésus-Christ, c'est l'évangéliste. Jésus-Christ au Mopalanganisi. Acte 10:38. Ntoma, Misaraba Toma. Frère Pierre dit, vous savez comment est-ce que Dieu a oint ce Jésus qui allait de liés en liés, faisant les biens, délivrant les gens. Ça, c'est Christ évangéliste. Enfin, Jésus-Christ est le pasteur. Christ Mobateli. 1 Pierre 2:25. Le Seigneur vous a ramené auprès du
souverain pasteur, gardien de vos âmes, Jésus-Christ. Dit, avant que nous soyons des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, c'était Christ qui était le véritable. Ici, j'explique que le ministère, c'est la continuité de l'œuvre de Christ. Le 5 dons ministériels se trouvèrent dans lui. Voilà pourquoi Ephésiens chapitre 4. Celui qui est monté, il est descendu. Akiti. Qu'est-ce que signifie celui qui est monté et descendu? Il y avait un homme Joseph. Il est monté sur le trône. Le pharaon. Il est descendu. Akiti. Il a regardé à ce frère. Il choisit un. Apoli Yambo. Mi Bale. 3. Mi Sato. 4. Mi Ne. 5. Mi Tano. Il prend sa parole. Azumi le Banaye. Il met dans les seins. Atien la carte à mi Tano. Il dit. Alors, Mango. Devant Pharaon. Libre. Vous allez dire. Nous sommes pasteurs. Tozali Babate. Les 5. Mi Tano. Devant Pharaon. Libre. Mais c'est la continuité de l'œuvre de Joseph. Et ils sont pasteurs. Bazali Babate. Non pour eux-mêmes. Ils sont pasteurs pour le peuple, pour la liberté, afin que le peuple garde gauche, où la brebis sera gardée pour leur délivrance. Et si le ministère de la parole, c'est la continuité de l'œuvre de Christ. Le temps de la liberté, comment nous ferons à Christ? Ce n'est pas quelque chose autre. Ils arrivent comme sous terre. Si ce n'est que le travail, ils arrivent à Moussala, l'œuvre de Christ. Il y a Moussala à Christ. Ça va? Tout le monde le comprend. Mais comment est-ce que nous sommes devenus les ministres à la place de Christ? Retenez ceci. Simaboy. Dieu appelle Moïse. J'utilise les illustrations simples pour que vous compreniez les messages. Romains 15, 4. Mes soutiens. Tout ce qui a été écrit d'avance a été écrit pour notre instruction. C'est-à-dire que chez nous, quand on lit Adam, Romains 15, 4 nous dit, l'homme a été écrit pour notre instruction. Et comment nous lisons Moïse, Colossiens 2, 16, 17, nous dit, l'homme. Le véritable, c'est Christ. C'est-à-dire, je vais utiliser les illustrations pour que vous compreniez le ministère, c'est quoi. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu appelle Moïse. Vous je suis dans Exode 33. Un, descendez. Il dit ceci. Parce que tu as brisé les premières pierres. Le corps a eu un bouki libana et amour. C'était comment? Isaki le Nengeli. Moïse monte au ciel. Moïse a maté l'icolo. Dieu lui donne les deux tables de pierre. Nzambé a pesé ma maman libana mon déco. Qui portait sa parole. Oh, et maintenant qui dit l'obanaïe. Moïse descend avec les deux tables de pierre. Moïse a quitté ma maman libana mon déco. Il trouve le peuple dans la rébellion. A couti ma tomatombo qui passe sa colère. La candanaïe. Il prend les deux tables. A zi ma maman libana. Brise sa par terre. A bouki ma maman libana. Dieu dit ok. Zama bidio. Ce que tu as brisé, ça va. Oh, yo, yo, bisi io. Choisis les autres deux pierres. Yomoko, pour ma maman, je suis soumis par les. Vous voyez? Comment? Le premier pierre, ma maman, il est venu du ciel. Et où tu le colo? À la terre. Et qui tient dans ma belle? Deuxième pierre, ma maman, il va aller. Vont être récupérés de la terre. Et consomme ma belle? Pour monter au ciel. Ça ne va pas rester là-bas. Et ça va descendre. Et qu'on quitte à l'issue sous ma belle. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Nous allons revenir. S'il vous plaît. N'a pas de lieu. Ne ramassez pas n'importe quel bien. On peut te ramasser. Pour que tu remplaces le premier pierre, on doit te tailler le premier pierre. Vous savez, oui. La première pierre c'est qui? Libana de son élan. Un homme a quitté le ciel. Je suis venu dans le rouleau. Il est question de vous. Et à cause de l'incrédulité, il m'a brisé à la cour. Nous avons un bouquet de vous. Interdit de raisonner. Et puis qui s'est mis au Esaïe 53 me soutient. Et ça, il a été prisé de Dieu pour nos péchés. Il y a un bête à ma qui
Jésus était brisé à la croix. Yes, ma bouka qui est le coulou sur nos péchés. À sa place, Dieu choisit les uns comme. Ça va comme sur le cola. Comme le cola. Le cola. Le cola. Le cola. Celui qui est descendu. C'est le même qui a monté avec le pied. Maintenant, Dieu doit prendre. Le premier message. Ça va écrire par ce pied. Donc quand nous descendons. Dans le ministère de la parole, ce n'est pas Jean-Louis, ce n'est pas Baudelaire, ce n'est pas Jean-Emmanuel, ce n'est pas Montebé, n'importe quel descend. Ezali motoka na boye. Ça peut être taillé. Et c'est même pas papayé. Voilà pourquoi Frère Paul dit. Mais on ne va pas nous faisons de ces choses. Faisons ça à ma cambo. C'est que nous vous enseignons. Autorité à Bino. Moi, Paul et Apollos. N'aille pas le Père Apollos. Nous avons pris ces choses. Faisons ma cambo. Pour faire l'application dans notre vie. Pas de ton copi ça va le ministre de la parole. C'est l'écriture qui marche. Je l'appelle frère de notre église. Il a attendu parmi les œuvres de Jésus. Il appelle les gens. Avec bateau. Demandez à Jésus. C'est lui. Bon, les gens qui devront nous attendre. Il n'a pas dit amen, amen, Jésus. Amen, amen, Jésus. Il devait vérifier. Et les gens sont arrivés vers Jésus. Maître. Motei. Jean-Baptiste nous a envoyé. C'est toi. Si c'était aujourd'hui, Jean-Baptiste serait excommunié. Jean-Baptiste, tout de moi. Jésus n'a pas dit ça. Jean-Baptiste fait quoi? Savoir qui tu es. Aïeb à Soko Zanani. Les aveugles l'ont vu. Les paralytiques marchent. Les sourds attendent. Dis à Jean-Baptiste. Ce que vous avez. Ce que vous avez attendu. Le ministère. Le temps. C'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on voit. Amen. Je vais vous dire, frère. Le ministère. Le temps. Doit répondre aux besoins du peuple. Mais c'est vrai qu'il y a là, n'a pas sa liberté. J'ai établi les ministres. Pour la réponse. Pour la vie à nous. Je peux monter quelques degrés. Non, attends, je peux monter. Non, attends. On monte ensemble. Matin, on ne va pas tomber. Donc, parce que Dieu ne permettra pas que tes pieds se heurtent sur la pierre à cause des anges qui vont te transporter. Et le ministère, c'est la cause, c'est l'ange qui va te transporter. Tu ne vas pas se heurter sur aucune pierre. Ces prophètes, Moussa Kolo, voyage toujours. Attends, la table à rac. Menti. Mais moi j'ai des problèmes ici. Qu'est-ce que je vais faire pour la retenir? Oh, j'aime ça. La femme monte sur la maison. Moi si à Mathilde Kolo et Angap. Elle construit la chambre haute. Attendu Soukouna Mikolo. Non, la chambre basse. Ate Soukouna 7. Elle a pris le prophète. Assume sa colère. Place à lui. Attends, Kuna. Donc, s'il y a une maison là-bas. Et vous savez que là, Kuna. Qui s'appelle Eli. Oh, comment est-ce qu'il y a? Il est là-bas. Azana, c'est. S'il y a une maison. C'est un Nako. Qui s'appelle Maurice. Oh, moi aussi. Azana, c'est une maison. Nako. Qui s'appelle Jérémy. Azana, c'est une maison. Nako. Qui s'appelle Jean-Louis. Azana, c'est la maison du prophète. Nako, c'est ça que je le cite. Et c'est là que j'ai eu. Voilà pourquoi ce jour-là. Frère Pierre a commis l'erreur. Ne copie pas ton salut, Bunda.
entre toi. Pour Moïse. Elle a dit non. Écoute, la maison. Voici mon fils. Car pour la vous êtes tirés si votre évangile élève Jésus. Si votre évangile élève Jésus. Vous êtes tirés. Shalom. Je peux continuer? Ma coma. La femme dit bon, je vais monter. Moi, ça revient comme matin. Elle monte dans la chambre. Elle m'a dit la soupe à Nicolo. Elle met le mur. A terre du cook. A terre. Nifelo. Un. Yamo. Elle met la table. A terre Neza. Deux. Mi balé. Chandelier. A terre et Péloamina. Trois. Misato. La chaise. A terre Kitty. Quatre. Mine. Le lit. A terre Mbeto. Cinq. Mitano. Elle s'arrête là. A Sukiwana. Elle ajoute la sixième. Septième. Parce que la sœur savait. Quand le prophète viendra, il montera là. À combattre. Le prophète est venu. Moussa Kolaye. La chambre haute. Ami soukra l'icône. Il monte. Amati. J'aime la précision des écritures. Narina Kassi, qui c'est qui a ma commis? Il monte sur le lit. Amati Nambeto. Il dort. Alali. Quand il se réveille. Qu'est-ce qu'on doit faire pour cette femme? Tout ce temps que tu es passé ici, tu as mangé, tu n'as jamais posé la question. La femme ne pouvait pas être manifestée si Adam n'était pas là. Moi, si Adam n'était pas là, je m'en ai quitté. Il a fallu qu'il monte à la croix. Il tombe à la résurrection. C'est la réponse pour moi. En réalité, le Dieu voyageur, c'est le Dieu de la loi. Mais il a trouvé une maison. Il est élevé de toute maison. C'est Jésus. Mais Dieu éternel. Il est entré dans le corps de Jésus. Il y a cinq ustensiles. Que j'appelle le ministère de la paix. Donc si on est apôtre, on doit être émis. Si on est docteur, il faut donner les gens la chaise. Si on est pasteur, il faut que la table soit là-bas pour donner les gens. Mais si tu es prophète, ne complique pas le message. Le chandelier pour éclairer. Et si tu es évangéliste, on va voir Dieu dormi. Vous attendez? Descendons maintenant. Donc, il t'a ça. C'est pour dire que le ministère, c'est la réponse. Dieu doit répondre à nos questions. C'est là, par le ministère de la parole. T'as compris le ministère? Un, qui est ministère? Yambo. Qui est ministre plutôt? Yambo, Motei Ndenani. Un ministre, c'est un soldat. Motei Azali Molomolo. Deuxième Timothée. Timothée Animale. Deux, cinq. Mi balé, mi tano. Quatre saints. Mi neyi, mi tano. Le ministre n'est pas le patron. Motei, azan le conduite. C'est un soldat. Azan le molomo. Il est soumis au sacrifice. Ye, ami sokisa nambeka. Il y a des pasteurs qui dorment du 1er janvier jusqu'au 31 décembre à la maison. Faites des retraites. Non, toi tu es soldat, tu dois souffrir. Parce que ta récompense sera plus grande. C'est ça le ministre. Et ça va toi, on va jeûner 21 jours. Toko kila Nicolas tout mère mon corps. Moi votre père n'a pas tant d'abino. Je mange. N'a pas lié à l'or. Le ministre Motei c'était son temps. Azamolomo soumis au sacrifice. Amiso qui s'anambeka. Vous m'entendez? Oui qui? Peu. Ni balé. Le ministre Motei c'est un architecte. Azali Motoyo Abongisaka. Motongi. Azam Motongi. 1 Corinthiens chapitre 3. Bakoli toyamo kapamisato. Verset 10. Zelokotan Azon. C'est un architecte. Azali Motongi. Il doit avoir la sagesse de bâtir. Et Seigneur Zara, où aïe à Kotonga. Il ne peut pas venir comme ça dans une église commencée. Je vais vous prêcher ça. Non. Il doit avoir la sagesse. À quel message pour quel peuple? À quoi quand on peut les télés à Bali au pays? Et c'est quand on a moyen sur cela. L'idée, il n'a pas ça n'alimente à son boulot. Même si on t'invite dans l'église catholique, il faut le respecter. À quoi quand on veut les télés à catholique?
tu ne partiras pas. Ôtez les statuts. Non. Le ministre, c'est la sagesse. Le frère Paul l'a fait. Ne comprends pas rien. Je trouve que vous priez un Dieu. Non, il commence par là. Namu ni tebo sambe lansambe abandiwana. Le ministre ne dit pas bon. Église, ça sont des païens. Sont des païens. Mais il faut avoir la sagesse pour les gagner. Et Seigneur, ça n'a quoi, il n'y a pas besoin d'amour. Jésus comme Dieu, yes, le coup d'ensemble, s'il restait dans l'esprit, ce n'est pas ça qui il ne pouvait pas nous gagner. Avant qu'il soit mis, il est devenu serviteur. A comme mon sang. Mais je veux mettre une balustrade. C'est comme Dieu a dit à Israël. Vous ne pouvez pas entrer dans Cana. Sans passer par les dents. Ce qui pourrait être les dents. Des attentions. Israël a dit roi des dents. Israël a dit roi des dents. Nous cherchons seulement les passages. Mais ta nourriture, jamais. Je ne te dis pas d'aller manger n'importe quel nourriture. Je cherche le chemin pour passer. Je parle à l'âme, je rentre. Je veux dire quoi? Le ministre, c'était labouré. Corinthiens chapitre 9. Jacques chapitre 5 verset 6. Voici les laboureurs. Dans le précieux fruit de la terre. Prenez patience à son égard. Il doit être patient. Et c'est là qu'on a mon thème. Tu peux envier celui à l'église de 1000 membres. Pourquoi c'est lui? 3000, 2000. Quelles sont les stratégies que je veux faire pour avoir 5000? Non, il a travaillé. Tu dois aussi travailler. Il faut avoir la patience, la sagesse, parce que la semence qui sème aujourd'hui, ça peut sortir demain. Alors il faut la sagesse. Travailler sur les gens. Ne provoquez pas des voyages missionnaires pour aller chercher de l'argent. Tu auras l'argent, ça va se terminer. Mais travaille pour le fardeau du peuple. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne veux pas parler de moi. J'ai prêché presque dans toutes les provinces de la RDC. Je veux vous dire, la mission est très difficile. Il faut le travail. Et c'est même ça. Il faut la patience. Et c'est là qu'on a monté. Non, viens pas, tu arrives comme ça, tu vois tout avec son temple. Tu ne sais pas quel sacrifice qu'il a en direct. Tu dis, bon, moi aussi, je veux faire l'enseignement. Non, la patience. Oh. Le travail paye, mais il faut la patience. Pour ça, la théorie, au moins, le modèle, tout le monde, il y a qui t'ont connu, il n'a pas la compté. Kanga motema. Moussa, les a, kokanga motema. Je peux continuer? Nakoba. Je peux continuer? Nakoba. Le rôle de ministère, c'est pour l'édification. Mon salaire, le temps, vous allez coller de ça. Édifier autour de la Kotonga. Rendre les gens capables à servir le Seigneur. Kokomi Sabato, Noma Koki, Massale l'ensemble. Là où il y a le ministre. Et c'est quand on dit Yazali, il faut qu'on voit des gens capables. Et c'est quand on a partagé ma coquille. Capable de chanter. Ma coquille à quoi même. Capable de prier. Ma coquille à quoi ça. Capable de servir le Seigneur. Ma coquille à quoi ça. Le ministère, c'est pas seulement parler comme Jean lui parle. Tu peux bloquer ça. Mais le ministère, c'est la force, c'est la puissance. C'est au-delà des choses que nous parlons. Nous voulons que Dieu vienne accompagner le ministère. Parce que le ministère, c'est Dieu qui marche dans sa parole. Vous m'entendez? Le temps. C'est le fruit du ministère. Je vais dire quoi au juste? Le fruit du ministère. Il y a des gens intellectuels. Et ça, pas toi, ça m'a dit. À l'école, ils étaient intellectuels. N'a été, il est éloquent. Alors, quand il t'entend, le professeur parle, quand on dit à son père, il répète ça. Il y a ce son de l'amour. Mais il n'est pas le ministère. Voilà, il y a l'automne du ministère, c'est quand Dieu dit. Le ministère, c'est quand Dieu, le temps de faire
paradis. C'est pour les autres. Ce n'est pas ma souche. Je ne suis pas l'apôtre. Pas la Bible. Je suis l'apôtre. Moi, parce que j'ai bien prêché. Moi, parce que les sons de mon apostolat. À cela, je ne veux pas dire que les pasteurs ne puissent pas bien prêcher. Non. Si tu ne sais pas bien prêcher, il faut t'asseoir sur les hanches. Sans quoi écouter à terre. Prendre l'instruction en silence. Mais nous disons, au-delà de verbes, il faut que Dieu accompagne ça. C'est ça le ministère. Vous m'entendez? Enfin, le ministère, c'est la sentinelle. Ça, c'est ma prédication. Sentinelle comment? Ils doivent monter la garde. Acte chapitre 20, verset 28. Commencez par le verset 27-28. Je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. Je suis pire de vos sons. Prenez garde en vous-même. Bon, et le troupeau du Seigneur. Ensemble. Le ministre, c'est la sentinelle. Le tombeau est en train de battre là. Attendez-moi, écoutez ici très bien. Je trouve la sentinelle ne peut pas être ensemble avec le peuple. Je trouve mon bâtiment. Il doit avoir la tour. Et Seigneur, il y a la musique à sur la tour. En matière de colonne. Pour veiller à ce sensé-là. On parle seulement de 2000 coudées. Je vais entrer dans l'église. Un frère tire mon sac. L'autre ma Bible. Dans le péché, il n'y a pas de 2000. Dans le péché, le pasteur sort avec la femme du frère. Il n'y a pas de 2000 coudées. Dans la prière, vous commencez, le pasteur dort. Je suis un peu fatigué. Il n'y a pas de 2000 coudées. J'ai vu Jésus manger avec le fidèle. Manger. On ne cherche pas les 2000 coudées par force. Ça se crée. Ça c'est défini. Vous m'entendez? Le ministère, le tombeau doit être élevé au-dessus. Et c'est même étonnant dans le monde. Il corrige à niveau partout. C'est-à-dire, il y a un lien qui doit veiller. Et c'est ça aussi quand mon corps est au Seigneur qui est là. L'Éternel est sorti avec Abraham. Arrivé quelque part dans un lieu. C'est là qu'Abraham a intercédé pour l'autre. Et quand l'Éternel est parti, le lendemain, Abraham vient dans le même lieu qu'il a intercédé pour vérifier Sodome. Le même lieu. Le Sikawanaka. On l'a tout. Sentinelle doit se lever aujourd'hui. C'est la parole. C'est l'enseignement. Parce que la sentinelle doit garder les champs. Doit garder la ville. Doit garder les fruits. Le ministère de la parole doit jouer le rôle de la sentinelle. C'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui. Si vous vérifiez le texte de Ésaïe là. Vérifions, faisons. Tala, l'icône à Isaïa, Totala Yelomo, là où nous étions. Est-ce que vous avez dit? S'il vous plaît, Ésaïe 21. Isaïa, tout comme il va aller je vais vous voir quelque, faire voir quelque chose là. Nakola Xabinu, le Komoko, très important. Roma la Moutouya. Ésaïe chapitre 21. Là, c'est très simple. Ah oui, Isaïa, pète, pète. Avant d'arriver dans le verset 11, vous allez voir. Il y a un moto comme on a dit à Zoro. C'est le prophète Isaïe qui dit. Voilà mon sacolisé à Zoro. Mon cœur est troublé. Avec mon père, mon ami, ça. Le terreur s'empare de moi. Son mot est en guinaï. La nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante. Boutou y a bissé mon angaï et comme boutou y a son mot. On dresse la table. Bâtir mesa. La garde veille. Sinzili a Zokengera. La sentinelle veille. Sinzili a Zokengera. Regardez les deux sons là-bas. Suivez-moi s'il vous plaît. Il y a la sentinelle qui vient. Et de l'autre côté, on mange. On boit. Debout prince. Tellement, moi, le bouclier.
Ainsi m'a parlé le Seigneur. Va place la sentinelle. Qu'elle annonce ce qu'elle verra. La sentinelle voit quoi? Elle voit la cavalerie. L'armée qui s'approche. Regardez deux temps. Sans peine d'être contredit. Je parle avec la certitude. Cette vision, c'est la chute de Babylone. Et moi, c'est le roi avec quoi à Babylone. Les prophètes Esaïe voyaient la chute de Babylone. Si vous vérifiez les textes, on dit la prophétie sur Babylone. Mais cela s'est accompli quand? Daniel 7. Quand les ai mangés, le jugement venait. Il doit avoir l'intimité avec celui qui l'a engagé. Une sentinelle qui fait tour de lui-même. Sans que le roi te donne l'ordre. Il va dire de n'importe quoi. Sentinelle faisait quoi? La sentinelle est là. David se trouve dans la maison. Il pose à la sentinelle la question. Qu'est-ce que tu vois? Un homme vient. Il parle comment? Donc il faut que la sentinelle ait l'intimité avec le roi. Nous échouons beaucoup, c'est parce que ce qui te prend dans la tête. Je vais prêcher les sept jours. Sans être à l'intimité avec vous. Quel message? Ce sera sans me faire ça. On a vu les missionnaires comme ça. Avec un livre. Je vais prêcher les 60 semaines dedans. C'est pas mal. N'a côté Amidemi. Pour surtout que ça va Daniel. Il part à qui coûte 60 semaines. À quel qui coûte à payer un mot? L'eau, 70 semaines. À quel pays un mot? 70. Dieu merci, 60. Oui, tu es la sentinelle. Est-ce que tu as l'intimité? Ce qui fait la force du ministère, c'est l'intimité avec le Seigneur. Voilà pourquoi Paul dit, je suis apôtre plus que. Non, parce que je prêchais beaucoup des enseignements. Par la souffrance. Par des prisons. Par des fouets. C'est-à-dire, s'il n'y a pas l'intimité avec le Seigneur, on va dire de n'importe quoi. Il y a des gens qui ont prêché comme ça. Je vais enseigner quoi? La beauté en ligne. Je vais enseigner Mais, je ne suis pas contre ces enseignements. Je crois ça. Qu'est-ce que le roi t'a dit? Je vais enseigner la foi. Si tu enseignes la foi, ce que tu as dit, les gens seront aussi sauvés. Parce que Paul a prêché la foi. Paul a quel condiment? La marche de l'homme avec Dieu. Pourquoi il a prêché la foi? L'intimité de la sentinelle. Je peux continuer. De tout mon cœur, que le Seigneur vous bénisse. J'ai appelé Adam. Premier sentinelle, c'était Adam. Sinzili a demandé Adam. Gat, Batela, Kiptim. Pekona. Le pasteur qui Kiptim sans garder. Mobateli, Aokona. Kassaso Batela. Bandi Mobando Panza. Les gens ont des problèmes. Makamoli. Les gens ont des problèmes. Batela Makam. Des difficultés. Batela la place. Si vous dites seulement ici, c'est là par nous. Et bien, Awandeli, Yoba. Problème. Là, vous n'avez pas compris le ministère. Le ministère, c'est enseigné. Le temps est dit qu'on se fait aussi les réponses aux problèmes des gens. On passe à tout le monde dans la caméra. C'est-à-dire que quand vous s'aimez, vous gardez le robot là. Donc, Adam devait s'aimer. Il n'a pas gardé. Pas si peu. Ah,
Abadela. Et planté. Beakona. Donc quand vous plantez, ce qui est connu, vous ne veillez pas. Ne laissez pas vendre. Nyoka Mokota. Attends, Adama, il veut cultiver. Et c'est la Kona. Il garde. Beamatela. J'aime Dieu. N'arrive à Zambé. Quand il sème, ce qu'a connu, il garde. Azobatela. Il a semé dans une terre. A connu en belle somme. C'était Marie. Et là, il est Marie. Quand Hérode venait. Tant que Hérode soit là, il a gardé. Abatela. C'est ça le ministère. Il a gardé l'automne. Vous semez, le connu, vous gardez. Azobatela. C'est-à-dire que quand Adam, tant que Adam n'a pas gardé, le serpent est entré. Et à la fin, Benasuka, Dieu a compris que de l'œuvre de sentinelles, un homme ne peut pas le faire. Nous sommes morts. Il a pris le chérubin. Il place là pour être des sentinelles. Mais tous les prophètes étaient des sentinelles. Ézéchiel, je t'ai établi. Ézéchiel, je t'ai établi sans lui. Il lui dit à Sinzili. Même Jacob, attends, je ne crois pas à ce qu'il a dit, Jacob.